Tu l'as pas supporté, celle-là. Il m'en parle encore, à l'heure d'aujourd'hui. Et le panier, nanana, je comprends pas. Et moi, j'en ai mis 6, et lui, ça a marché, il en a mis 4. Voilà. Elle a mis 2 de plus et c'est pas descendu. Voilà, donc il a là. Vous voyez, c'est encore. Ça répond à la question. C'est que le début. Oui, c'est vrai. Non. Non, je préfère me trahir moi-même. Mais je réfléchis parce que s'il faut, je te dis pourquoi, mais je pense pas. Oui, tricher. Ah oui, mais il fait que tricher, lui. On peut jamais jouer à des jeux de société à la maison. Ah non, pardon. C'est pas parce que je gagne à chaque fois que je triche. Arrête d'être une mauvaise perdante comme ça. C'est... Tous les perdants de ce monde disent que les autres d'en face sont des tricheurs. Mais pas l'envie, tu fais que tricher. Il y a des gens forts. C'est pas parce que tu fais que perdre que je triche. Non, bah alors là, j'ai hâte que tes amis voient cette interview. Ouais, mais je te le dis. Mais aussi, c'est des perdants, vu qu'il y a comment qu'ils gagnent. Oh là là. Oui, moi, dans ma première aventure, j'ai surmonté la phobie de la peur de l'eau. J'ai la phobie du grand large, de l'eau noire. Et il fallait plonger dans l'eau noire. Donc j'ai surmonté ça. Moi, j'ai pas de phobie, donc... Oui, voilà, étonnant. Pas l'André. Quoi, j'ai des phobies? J'ai pas de phobie du tout. Ben non. J'ai peur de rien. C'est vrai. Je suis un guerrier. Non. Non, franchement, moi non. Non. On a pensé des choses en sous-marin. Qu'on a divulgué après. On est obligé de divulguer. Mais c'était du sous-marin, oui, total. Mais de toute façon, dans une stratégie, t'es obligé de faire du sous-marin. Ouais, pour la commencer, la stratégie, faut que ce soit du sous-marin, c'est obligé. Ouais. Et après, soit t'es honnête et tu dis les choses en face parce que t'aimes pas mettre des coups dans le dos, soit tu restes en sous-marin parce que t'es un vrai stratège. Mais, mais oui, c'est du sous-marin à la base. Donc oui, on a fait beaucoup de sous-marin. Non. Je sais même pas si on pouvait refuser ça. Faut dépasser ses limites, donc non. Ouais, puis quand on va dans une aventure comme ça, on y va pour faire quelque chose, donc il faut le faire. Hein. Non, ouais. Si c'est pour reculer la première marche, ça sert à rien. Une fois, on avait préparé des stratégies. Et on les a pas cassés malgré notre amitié. On avait le choix entre notre parole et nos affinités, et on a décidé des choses. Par moments, c'était... Ouais, t'as le choix. Voilà. Déjà, de toute façon, je pense qu'il y avait un complot contre moi. Paul-André, qu'est-ce que tu racontes? C'était dur, hein, souvent. Souvent, c'était dur, hein, je peux le dire. Paul-André est très mauvais joueur. Je sais pas si vous avez vu, mais quand le panier, il est arrivé à ça, ouais, jusqu'à la fin, il m'a mis là comme ça, il m'a demandé. Tu l'as pas supporté, celle-là. Il m'en parle encore, à l'heure d'aujourd'hui. Et le panier, nanana, je comprends pas. Et moi, j'en ai mis 6, lui, ça a marché, il en a mis 4. Et bien voilà. J'en ai mis 2 de plus et c'est pas descendu. Voilà, donc il a là. Vous voyez, c'est encore... Ça répond à la question. C'est que le début. Oui, c'est vrai. Enfin, il arrivait bien propre, bien préparé. Ouais, voilà. Qu'il avait bien mangé. Qu'il avait bien mangé. Ouais, ouais. Pour ça, oui. Il est très bien à sa place. Ouais. Oui. Oui. Ah oui, très peur. Je suis très peur. Non, oui, t'en es une épreuve, on a eu peur.